Bonjour, vous regardez la télévision suisse romande. Fondateur du musée, Yves Bolognini a réalisé un travail de fourmi. Sur un long mur, toute l'histoire de l'informatique a été reproduite. Un voyage en étapes, depuis les cartes perforées, les ancêtres du disque dur, jusqu'au monde de demain. Alors ici, le Commodore 64. Le Commodore 64, c'est un exemple des premiers micro-ordinateurs, en tout cas ceux qui ont eu du succès, donc au début des années 80. Là, on est en plein dans la miniaturisation. On avait des énormes machines dans les années 60 et dans les années 80, avec la micro-informatique, on a des machines qui peuvent être posées sur un bureau. Propos de cette exposition, montrer comment l'ordinateur, en tant qu'objet, vit un processus de disparition. Avec Internet, il est désormais camouflé, réduit, presque dissous. Rien à voir avec ce calculateur suisse des années 60, imaginé pour piloter un système de défense antiaérienne. On m'a demandé à plusieurs reprises de parler des limites de la technologie, car les gens veulent savoir jusqu'où nous pourrions aller. J'ai toujours dit que la limite dépendait de l'état de la technologie au moment présent. Le futur, malgré tout, quel sera-t-il ? Sûrement le règne des nanotechnologies, de l'infiniment petit et infiniment puissant, caché à l'intérieur même de notre corps.